Bonjour à tous, bienvenue dans cette première de TV à domicile. Nous sommes à Terre de Haut, à la rencontre de Louis Molinier, l'ancien maire. Il y a peu, il nous aurait reçus dans cette mairie, mais depuis, la justice est passée par là, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a frappé violemment. L'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, rendu récemment, a-t-il signé la mort politique de Louis Molinier ? Comment se reconstruire après un tel choc ? Pourquoi Louis Molinier est-il à ce point convaincu d'avoir été victime d'un complot ? Qui avait intérêt à l'abattre politiquement ? Quel regard porte-t-il désormais sur la politique au Sainte ? L'homme est amer, blessé, mais debout. Peut-être nous fera-t-il quelques révélations aujourd'hui. Pour le savoir, restez avec nous. Nous allons de suite chez Louis Molinier pour ETV à domicile. Bonjour Louis Molinier. Bonjour, bonjour ETV, merci d'être chez moi aujourd'hui. On sait ce que vous vivez, merci dans ce contexte d'avoir accepté de nous recevoir et de répondre à nos questions en exclusivité. La Guadeloupe pensait vous connaître, mais votre actualité a semé le doute. Qui est vraiment Louis Molinier ? Qui est vraiment Louis Molinier ? Ben, écoutez, quelqu'un de simple. Quelqu'un de spontané, quelqu'un de qui est généreux, quelqu'un qui s'est toujours donné à fond dans tout ce qu'il faisait pour son île. Je pense que quand on ne connaît pas les gens, on ne devrait pas avoir un sentiment d'a priori ou de préjugé sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, j'ai reçu cette éducation de mes parents. Et voilà, il faut connaître les gens, pour les connaître, il faut les côtoyer, il faut les écouter. Et c'est à ce moment-là qu'on se fait une idée de la personne. Rappelez-nous votre parcours. Comment vous êtes arrivé en politique ? Ben, c'était un pur hasard, un accident. Je me battais pas comme certains pour avoir un poste. J'étais agent des douanes à Basse-Terre et puis Monsieur Joyeux m'a demandé d'être sur sa liste en 95. Je ne connaissais rien de la politique. Et puis j'ai appris avec Louli, hein, puisque c'est Louli que tout le monde l'appelle. Et puis vers 2000, il a démissionné, et puis le conseil municipal, il m'a demandé si je souhaitais prendre les rênes de la commune. Donc c'est presque un hasard que j'ai été maire en 2000, et puis c'était pas par envie, mais surtout parce qu'en fin de compte, il y avait affaire dans cette collectivité, et c'est un challenge pour moi. Donc en 2001, je me suis présenté avec son soutien et donc j'ai gagné les élections de 2001. Et puis c'est parti, j'ai donc fait trois mandats de 6 ans. J'ai toujours été réélu dès le premier tour. Et puis je pense que je n'ai pas la possibilité de penser que mes compatriotes le faisaient sans conviction. Donc c'est qu'ils se rendaient compte que je travaillais pour leur commune, pour leur île. Pourquoi avez-vous accepté de parler aujourd'hui ? J'ai accepté de parler parce que j'ai l'impression aujourd'hui de sortir, de commencer à sortir d'un cauchemar, d'un sentiment d'injustice.
Et je reste amer sur tout ce qui s'est passé, mais tout ce qui s'est produit. Et c'est pour cela que j'ai décidé aujourd'hui. Et puis, il faut aussi que vous sachiez que lorsque vous êtes, j'allais dire, il y a la justice, vous ne pouvez pas trop dire, donc vous devez rester plutôt muet, parce que bon, les choses peuvent être interprétées d'une manière différente que vos propos ce que vous voulez dire en tout cas. Et puis voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de parler aujourd'hui. Lors du prononcé de la décision de la Cour d'appel de Basse-Terre, vous avez eu un malaise. Que s'est-il passé à ce moment-là? Ben, j'ai... alors, c'est vrai que ce n'est pas la première fois que j'ai ce genre de malaise. Toujours par rapport à un sentiment d'injustice. Mm-hmm. Ça m'est arrivé en sortant d'un voyage à Cuba, où ma valise était restée à Cuba et je n'avais pas compris pourquoi. Et personne ne m'avait expliqué. Et en tant qu'agent des douanes, quand on m'a dit que ma valise était restée à Cuba parce qu'il y avait un quota respecté de cigares, et donc j'étais un peu déboussolé et j'ai dit, mais si je savais, j'avais droit à deux boîtes, j'en avais amené quatre ou cinq. Enfin, ils avaient récupéré ma valise, elle était restée à Cuba. Et ce qui fait que j'ai eu ce petit malaise à l'aéroport en arrivant à Pointe-à-Pitre parce que je ne comprenais pas, comme je n'ai pas compris les décisions judiciaire et les décisions du tribunal en première instance à Basse-Terre. Oui. Vous avez eu l'impression que tout s'écroule et que vous n'allez pas vous en remettre? Un peu l'impression parce que vous avez une famille, vous portez un nom, vous avez toujours été quelqu'un d'honnête, puisque vous êtes dans un service douanier vous n'entrez pas là par hasard. Donc, non, il s'agit. Avec le jugement rendu, j'avais l'impression, en première instance, ça faisait de moi un malfrat. Et je n'ai pas eu droit à une instruction, une recherche des causes de ces accusations. Je n'ai pas été mis en examen, je n'ai pas été. J'ai pas eu droit à un juge d'instruction. Mais j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que ça a été tellement vite. Ça a été d'une rapidité extraordinaire. C'est d'ailleurs tout le monde l'a ressenti de cette manière. Garde à vue et puis passage devant un procureur et puis tout de suite 6 mois après procès. Personnellement, mes avocats non plus n'ont pas compris, puisqu'ils ont demandé un report, ils n'ont pas eu vraiment gain de cause, puisqu'ils n'ont eu qu'un mois. Un sentiment, mais de pourquoi cette rapidité, pourquoi aller aussi vite, alors qu'il y a d'autres cas qui sont beaucoup moins difficiles que le mien, qui ont droit qui ont droit à un juge d'instruction. Bon, il y a des enquêtes qui durent 5, 6 ans, 10 ans. Vous ne comprenez pas. Et c'est là que je n'ai pas compris. Mais vous savez, je n'avais rien à me reprocher. Donc, je n'ai pas compris le délibéré parce que, d'ailleurs, ils l'ont dit dans le procès, je n'ai pas eu d'enrichissement personnel. Ils n'ont rien trouvé ici. De matériel ou encore malgré tout ce que certains ont dit dans certaines plaintes, ils n'ont rien trouvé chez moi qui appartenait à la collectivité. Donc, je n'ai pas... Mais c'est après qu'on comprend, parce que même pendant le délit, après le délibéré, mes avocats m'ont dit, mais les 5 ans de privation de droits civiques et civils... C'est une décision complémentaire, immédiate.
les 10 ans d'inéligibilité, c'était 10 ans, c'était une décision complémentaire, immédiate. Donc, ce qui faisait qu'ils ont été un peu aussi bien que moi, déboussolés de cette décision immédiate. Ce qui faisait de moi quelqu'un qui devait partir en une semaine de la collectivité de Terre-de-Haut. Et donc, vous savez, je suis... C'est au bout de 3 mois, 4 mois que vous commencez à réaliser ce qui vous arrive, parce que vous n'entendez plus personne, vous ne voyez plus personne, et là, vous vous posez des questions. Les vraies questions. Aujourd'hui, quelques semaines après que ce couperet soit tombé, ce couperet qui vous a ébranlé, hein, on le constate, comment allez-vous ? Ben, comme je l'ai dit, j'ai l'impression de commencer à sortir de ce cauchemar. Je me porte bien, heureusement. Bon, je crois, je sais que ma famille m'a toujours soutenu. Et c'est grâce à elle si aujourd'hui je peux vous parler, parce que financièrement, quand vous avez des emprunts à régler sur votre maison, quand vous avez les impôts à payer, et qu'on vous envoie des ATD, on vous envoie... la vie poursuit son cours. Donc vous vous posez des questions, énormément de questions. J'ai eu... un soutien familial fort, énorme. Et puis aussi, il faut dire que je n'avais rien à me reprocher financièrement dans cette affaire. Donc, j'ai certainement, par négligence ou encore, ce n'était pas intentionnel d'avoir fait des fautes administratives, mais pas des fautes financières qui valaient ce jugement en première instance. Vous avez été tout de même frappé au porte-monnaie sur vos biens personnels. Oui. Que vous reste-t-il ? De quoi vivez-vous ? Ben écoutez, le jugement n'appelle à changer la donne, parce que la donne, c'est qu'en première instance, j'avais droit à ces 5 années de perte de droits civiques et civils et familial, ce qui est énorme. Vous les avez retrouvés ? Je les ai retrouvés en appel. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, parce qu'en fin de compte, j'ai eu droit... j'ai retrouvé, si vous voulez, mes biens personnels, mes biens familiaux, puisqu'on travaille toute sa vie pour avoir ses biens, donc je les ai retrouvés. Le substitut ou encore l'avocat général avait demandé 3 ans de prison. En fin de compte, ils ont gardé les 2 ans de prison en appel et puis les 10 ans d'inéligibilité. Donc, je pense que sur ce délibéré, on se rend bien compte que c'est Louis Molinier qu'on ne voulait pas voir à la commune de Terre-de-Haut. C'est-à-dire les 10 ans d'inéligibilité sont faits pour que je ne revienne plus à Terre-de-Haut. Que reste-t-il, Louis Molinier, de votre dignité d'homme ? Vous savez, vous apprenez beaucoup. Vous apprenez beaucoup parce que quand vous êtes seul. D'ailleurs, si je fais un pourvoi en cassation, c'est pour retrouver cette dignité qu'on m'a enlevée pendant un certain temps. J'ai retrouvé par rapport au procès en appel certains éléments. Puisqu'on reconnaît que je n'ai pas d'enrichissement personnel. Je ne me suis pas enrichi personnellement, donc il y a eu un abandon de la condamnation à ce titre. Je n'ai pas utilisé les moyens de la commune à des fins personnelles. Rappelez-vous l'histoire des bouteilles de champagne, les 911 bouteilles de champagne qu'on avait donc dit. À cette époque, ça avait fait le buzz pour la population de la Guadeloupe. Louis Molinier a bu du champagne pour le baptême de son petit-fils. Il s'est avéré que c'était vraiment des accusations mensongères.
Mais c'est quand même difficile de comprendre que quelqu'un dit « J'ai entendu dire que monsieur un tel a bu du champagne Winard chez monsieur Molinier » et on vous accuse et on vous met au devant au banc des accusés. Alors que c'est « J'ai entendu dire », il n'y a pas de preuve. Mais le mal est fait. On reconnaît aujourd'hui en appel que le champagne, j'ai pas été poursuivi pour le champagne, donc il y a eu relax, donc il n'y a pas eu de preuve, il n'y a rien eu. On reconnaît que j'ai, pour les voyages, rappelez-vous, là aussi ça avait fait la une des journaux, les voyages, j'avais abusé de voyages, j'ai pas là non plus, j'ai eu une relax sur les voyages, puisqu'ils se sont bien rendus compte que je ne faisais pas de voyage pour le plaisir, mais pour bien travailler. D'ailleurs, je restais très peu de temps quand je partais. J'avais la possibilité de rester une semaine et c'était très court. J'arrivais le jour où je devais être en réunion je repartais le lendemain, voire deux jours après. Et d'ailleurs, le président Chalus m'avait fait une remarque qui m'avait dit « Bon, Louis, quand tu vas à Paris, le fait de repartir tout de suite, le billet il coûte assez cher, il faudrait que tu restes un peu plus longtemps, donc pour amortir un petit peu le prix du billet. » Mais c'était pas, moi je voyais plus le fait que j'étais dans un milieu où il faut aller vite, il faut prendre des décisions vite, vous êtes responsable et il ne faut pas perdre trop de temps. Mmh. Donc, et puis aussi, rappelez-vous, la voiture haut de gamme, une sacrée voiture de luxe. Et c'était quoi comme voiture d'ailleurs? Ben, c'était une Peugeot. Alors, je n'ai pas compris qu'on puisse dire que Peugeot, si j'avais une Lamborghini ou encore une Ferrari ou encore une BM ou Mercedes, je ne sais pas moi, mais ce genre de véhicule, j'aurais compris que ce sont des voitures de luxe, des voitures de haut de gamme. Mais une Peugeot haut de gamme, que j'avais, alors là, c'est sûr que vous apprenez, vous découvrez certaines choses, puisque vous l'avez acheté 35 000 euros, et au tribunal, on vous dit non, elle a coûté 47. Et vous avez la facture que vous avez payée 35 000 euros. Et alors là aussi, je n'ai pas été poursuivi pour cette affaire, puisque la voiture haut de gamme, c'est à partir de documents qu'au tribunal, ils m'ont relaxé là-dessus. Mais pour vous dire que j'ai appris dernièrement qu'une voiture de luxe qui a coûté si cher pour les médias et puis aussi pour la justice a été vendue 6 000 euros aux enchères. Ah, par votre successeur? Par mon successeur. Et ça me fait sourire parce que vendre une voiture de luxe 6 000 euros, si je le savais, j'aurais certainement été l'acheter tout de suite, quoi, parce que au moins, j'aurais eu une voiture de luxe aux 6 000 euros. Voilà, non, mais en fin de compte, ce que je voulais c'est que toutes ces absurdités inventées, à partir de délations de personnes, de jaloux, d'affamés de pouvoir, de gens qui n'ont aucune... pour arriver à leur fin, ils sont capables de tout. Et ça, on vous salit, on vous sanctionne. Et c'est très difficile. Je vous parle, j'ai un peu la gorge serrée parce que... Je comprends. Vous passez des moments où vous êtes vraiment seul. Ouais. Vous êtes vraiment seul. Je le dis encore, c'est la famille qui vous retient parce que... Et justement, quel impact cette affaire a-t-elle eu sur votre vie de famille, sur votre vie personnelle? Ma famille, en tout cas, elle a toujours cru en moi. Elle a toujours cru que je n'avais rien pris. Quand vous voyez les rues de Terre de Haut marquées « Molinier Louis voleur » parce que on vous parle de détournement de fonds.
Donc les gens ne comprennent pas, ils se disent, mais ils détournaient des fonds, en même temps ils ne pas prennent rien, donc ça crée une confusion. Mais pour la justice, c'est détournement de fonds, et en fin de compte, pour la population, c'est tout de suite voleur. Or, ce n'est pas du tout ça. C'est administrativement, ça dit autre chose, puisque je n'ai rien détourné pour ma personne. Ma personne. J'ai surtout fait de Terre de Haut, j'ai souhaité faire de Terre de Haut une collectivité qui est attractive, et il fallait faire des investissements, il fallait donc alors quand on parle de communes en déficit, ça me fait sourire parce que on arrivera certainement là-dessus, mais une commune en déficit, je l'ai eu en 2000, j'en suis sorti en 2004. Et la Chambre régionale des comptes, elle ne dit pas qu'en 2004 j'en suis sorti, mais j'ai pris un tremblement de terre en 2004, donc il fallait faire des travaux, et en 2006 on me retrouve en 2008 en déficit. C'est ce qui est tout à fait normal, puisque une petite commune comme la nôtre doit investir, et on sortira de ce déficit assez rapidement. D'ailleurs, ils le disent. En 2021, la collectivité de Terre de Haut sortira de son déficit. Parce que, économiquement parlant, on a les moyens de sortir rapidement de ce déficit. Mais ils ne m'ont pas laissé la possibilité de le faire. Dans cette épreuve, puisque c'en est une, à quoi pensez-vous ou avez-vous pensé de pire? Ben, on pense à tout. On pense à tout. À tout ce qui peut... Mais oui, on pense à partir, hein. On pense à partir en métropole, on pense à vous balancer quelque part, on pense à beaucoup de choses. Mais il faut avoir une force intérieure. Je pense que je regardais mes parents. Vous avez certainement vu ma mère qui est dans une situation aussi, dans une chaise roulante. Et qui a la force de croire. La force de croire. Vous voyez mon père, 87 ans. Et ça, les médias ne tiennent pas toujours compte des conséquences. On parle de vous, et même dans le délibéré, je reviendrai sur ce à quoi j'ai pensé, mais même dans le délibéré en appel, on garde 2 ans de prison et on dit il devrait entrer en prison ce soir. Donc, tout le monde est affolé, tout le monde écoute cette information, et quand je monte à Terre de Haut l'après-midi, ben, tout le monde est surpris. Ce n'est pas très beau pour ceux qui informent. On va arrêter de croire bientôt à cette information qui n'est pas objective. Oui. Les 10 ans d'inéligibilité, on parle de ces deux sanctions pénales, mais on ne parle pas de ce qui m'a été enlevé. Donc, on n'a pas parlé de que j'ai retrouvé mes droits civiques et civils, ce qui est énorme. Parce que je peux voter, je peux aller faire des meetings, je peux être dans des réunions... un peu partout. Donc ça, personne n'en a parlé. On n'a non plus pas parlé du tout de mes biens que j'ai retrouvés, puisqu'il y avait une saisie conservatoire sur mes biens. Donc voilà, il faut ou donner toute l'information ou il ne faut pas la faire. Et où avez-vous puisé cette force de rester debout? Ça a été difficile par moments. Ça a été même compliqué parce que vous avez même des amis. Des amis avec qui vous avez fait de la politique pendant 30 ans, des gens que vous avez toujours soutenus, qui étaient au conseil municipal. Et donc, c'était pour moi des amis proches. Je leur faisais entièrement confiance et qui vous ont... qui ont pris une décision même, qui se sont portés partie civile. Au tribunal en correctionnel, en appel. Et c'est là que
C'est terrible. C'est terrible. C'est horrible. Ça vous fait plus mal que la décision qui a été prise en première instance. Parce qu'une décision en première instance, vous faites appel de la décision, vous allez en cassation, il y a toujours une solution. Tandis que là, ce sont des amis à vous. Aucun n'est venu me voir pour me demander « Louis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous renseigner? Est-ce qu'on peut être informé ?» Absolument rien. Oui, vous l'avez vécu comme une trahison. J'ai vécu comme une trahison. D'abord, comme une incompréhension. Et ensuite, comme une trahison. Une trahison. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, je les regarde et je suis indifférent. Maintenant, je suis indifférent. Mais avant, je les regardais, mais je dis, mais c'est pas possible. J'avais ces gens-là à côté de moi. J'étais tête de liste. C'est moi qui faisais la politique. Ce sont mes deniers personnels. J'ai jamais rien demandé à quiconque. Je les ai mis sur ma liste, donc je leur faisais confiance. Et ils m'ont retiré la parole. J'étais comme un paria pour eux. Et il y en a même qui m'ont envoyé des messages qui va payer la dette de Terre de Haut, enfin, comme si c'était moi qui allais payer toute la dette de Terre de Haut. Enfin, voilà quoi. Donc, ils ont certainement suivi un discours, mais ce que je leur reproche, c'est que ils auraient dû venir au moins qu'on puisse discuter. Après tant d'années, il y en a qui, depuis 1995, sont avec moi. Je n'ai pas compris. Alors, est-ce que c'est pour garder leurs prérogatives financières? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Toujours est-il que maintenant, j'ai tiré une croix sur ce genre de personnes. Et par contre, j'ai toujours l'impression que ceux pour qui vous avez fait le moins sont à vos côtés et ne vous abandonnent pas. C'est ce qui est contradictoire et choquant. Dans un instant, la suite de TV à domicile. Aujourd'hui, nous sommes chez Louis Molinier, l'ancien maire de Terre de Haut.